Je veux dire, franchement, ouais, c'est sûr. Je fais un bon tartare. Je fais des farcis, là. Bon, farcis maison. J'en ai marre de voir Tata qui est en train d'agoniser. Trop de cachetons, putain. Le cacheton tue le cacheton. Tu vois, elle est toujours mal, toujours pas bien. Elle marcherait nickel, hein, une fois que tu l'as pile au cœur. Ben, tu l'as. Et cacheton, ah oh, mon bonbon bleu, ah oh, mon bonbon vert. Oh, c'est de la merde, putain, vous vendez de la merde. T'es criminel, cousine. T'es complice. Psychiatre, c'est des criminels aussi. Et que le psychologue est peinard. Merci Vincent. Psychiatre, c'est criminel. On vend de la merde pour abrutir tout le monde. Putain. Ben Laden, il a toujours pas de tête. Il est comme vous, en fait. Toi. Là, on sait pas trop. Mais quand même, tiens, il y a Nico, il a répondu. Hello. Hello, hello, hello. Anybody under the pont. Comportable in homes. Bon, moi, j'étais pas content. Je vais rien faire de ce que j'ai à faire, mais je vais le faire. Bon, moi, j'ai fait la bouffe au moins 3 jours. Parce que j'ai pas fait que ça non plus. Mais c'est pas grave. C'est un beau dimanche, c'est une belle histoire. Sauf que Tata, elle a le cul qui lui brûle. Elle a vraiment la pécole. Elle a vraiment la peau du cul qui se décolle. Et moi, 100 kilos qui veulent pas bouger, qu'est-ce que, je fasse? Je mets du sopin dans le cul, je mets du sopin, hop, mais ça marche pas. Elle a mal quand même. Comme elle ne marche pas, parce que c'est sa fille qui a interdit de marcher. Bien le dire ça aussi. Donc il n'y a plus de muscles. Donc les jambes, déjà qu'il la tenait pas, bah, ils la tiennent plus du tout. Mais pour y torcher le cul, si elle est debout, c'est plus facile quand même. Alors de la merde, c'est le cas de le dire. J'enverrai mes films après, ce soir. On ne voit pas du tout, ça me plaît pas, ça va pas.